Monsieur Troy, vous m'avez vraiment impressionné. Soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Je vous en prie. Excusez-moi, monsieur, il devait y avoir une deuxième personne ici. C'est vrai. Ça doit être elle. Entrez! Je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai eu un souci en venant ici. Ça n'arrivera plus jamais. Vraiment désolée, monsieur. C'est bon, asseyez-vous. Ah, merci, monsieur. Une fois de plus, ça n'arrivera plus. Je suis désolée. C'est bon. Lui, c'est Monsieur Troy. Il m'a été recommandé. C'est l'un des meilleurs dans son domaine. Monsieur Troy, Cassandra. Également l'une des meilleures. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est à moi. Ok. Voici vos lettres d'embauche. Merci. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vous en prie. Merci, monsieur. Je vous en prie. J'aimerais avoir une relation cordiale avec tout le monde et vous aussi, monsieur. Je suis d'accord avec elle, monsieur. Et j'ai surtout hâte de passer un bon moment dans l'entreprise. Soyez les bienvenus. Merci. Ouais. Esther, monsieur, montre-leur là au bureau. D'accord, monsieur. S'il vous plaît. Merci, merci, monsieur. Mais je vous en prie. Il ressemble et il a l'air d'une mauvaise personne. Il est tellement impoli. Il donne toute son énergie à la gym au lieu d'avoir un diplôme. Tu peux l'imaginer, il a fait comme si je n'étais pas là. Il est resté juste assis sans rien dire, comme un bloc de glace. N'importe quoi. Sophie, est-ce que tu m'écoutes? Que veux-tu que je dise, Sorette? Tu veux que je participe dans cette affaire où tu n'as pas arrêté de t'impliquer? Quelqu'un que tu viens de rencontrer? Comment ça, Sorette? Ne penses-tu pas que tu en fais un peu trop? C'est quoi le problème? Ou alors, tu te sens intimidée? Intimidée? J'en fais trop? Moi? Cassandra ne peut jamais être intimidée. D'ailleurs, tu n'étais pas là. Ce gars est une mauvaise personne. Si j'ai bien entendu, tu as rencontré ce gars aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, et alors? Ne penses-tu pas que tu fais des conclusions rapides? Essaye au moins de connaître le jeune homme. Eh bien, tu le soutiens en me disant que j'en fais trop? Le soutenir sur quoi exactement? Sorette, tu dois vraiment te calmer. Rejoins-moi pour regarder ce film, il est très intéressant, tu vas aimer. Allez, viens t'asseoir. Sophie, c'est tout ce que tu as à me dire? Sophie. Mais Sophie, c'est quelque chose, non? Sorette, non! Oh! Bonjour, Madame Cassandra. Bonjour, Monsieur Troy. Comment était votre nuit? Pardon? Pourquoi me posez-vous ce genre de questions? Je m'excuse de vous avoir posé cette question, je voulais simplement savoir comment s'est passée votre nuit. Si je vous connaissais mieux, j'aurais pensé que vous ne m'appréciez pas. Je vous demande pardon. Suis-je censé vous aimer? Calmez-vous, s'il vous plaît, je voulais simplement faire la conversation. Je me demande bien ce que je voulais faire. Écoute, bébé. Cette femme en fait vraiment beaucoup trop. Beaucoup plus que toi, en fait. Je comprends pas. C'est quelque chose d'autre. Pourquoi me compares-tu à elle? Oh, désolé, bébé. L'école, ça va?
T'es sûrement en fin de semestre, pas vrai? L'école va bien, je vais terminer dans 5 mois. J'ai vraiment hâte de finir avec tout ça et quitter d'ici. 5 mois? Alors je suppose que ça doit être beaucoup de travail pour toi. Mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Tu peux le redire. Le travail ici est énorme. Il y a beaucoup de cours à lire et beaucoup de recherches à faire. Mais je suis sûre que je vais m'en sortir. Je te fais confiance. Mais honnêtement, bébé, tu me manques. Tu me manques vraiment. Quand rentreras-tu? Tu me manques aussi beaucoup, mais ça ne fait pas longtemps qu'on s'est vu. On s'est vu il y a des semaines. Ah non, écoute, 2 mois, c'est long. C'est trop long. Tu me manques. J'ai envie de te voir, tu sais. Allez, tu peux venir pour quoi? Une semaine? Tu sais quoi? Laisse tomber une semaine. Viens pour 3 jours. Je ne suis pas égoïste. Tu sais que je serais un bon garçon. Tu sais que tu es vilain, n'est-ce pas? Je vais y réfléchir. Réfléchis-y. Prends soin de toi, d'accord? Bye. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh. Maman, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Nous allons toutes bien. Le travail se porte bien. Sophie va bien. Je veux dire, elle. Ok, ce n'est pas du tout un problème. Mais s'il te plaît, prends soin de toi. Passe-moi bonjour à papa. Bien sûr. Toi, cette vilaine fille, tu évites de parler à maman, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois-ci? Non, ce n'est pas que j'évite de parler à maman. C'est juste que je n'ai pas de force. Tu n'as pas la force? Seul Dieu sait ce que tu veux les forcer cette fois-ci à t'acheter. Sophie, tu n'es plus une adolescente. Tu es une adulte maintenant. De toute façon... Je m'en vais me coucher. Ok, bonne nuit. Tu ne vas pas me dire que tu m'aimes? Suis-je ton mec? Hein? Je t'aime aussi. J'arrive! Surprise! Wow! Qu'est-ce que tu fais ici? Salut bébé! Je ne m'attendais pas à te voir! Ok, je vais m'en aller. Non, je ne voulais pas le dire comme ça, je voulais dire que je ne m'attendais pas à te voir. Je sais, tu m'as pris par surprise. Mais c'était ça l'idée bébé, de surprendre. Je sais, allez, vas-y, entre. Si je ne la connaissais pas, alors j'aurais pensé qu'elle me déteste. Tu sais, cette femme est vraiment dramatique. Elle est toujours en train d'en faire trop. Même quand je fais la conversation avec elle, elle n'est pas réceptive. Vois-tu, je suis censé faire quoi? Je venais de commencer le travail, je pensais qu'elle devait, tu vois... Troy? Quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle même d'elle? Ouais, je te raconte juste ce qui se passe au bureau. Je croyais t'avoir manqué, bébé. Bien sûr que tu m'as manqué. Tu sais, je te raconte simplement ce qui se passe au bureau et tout le reste. De cette femme impolie que bébé, je n'aime pas, hein? Je... Bonjour, bébé. Bonjour, Troy. Désolée de t'avoir réveillée. Ouais, c'est bon. Tu sais, tu es tellement belle ce matin.
Je te jure, tu es belle tous les jours. Et je suis tellement content de t'avoir dans ma vie. Troy, flatte-moi. Pourquoi es-tu debout aussitôt? Tu sais que je t'aime, pas vrai? Réellement. Réellement. Je t'aime aussi. Et je suis fier de t'avoir dans ma vie chaque minute. Passez-vous. Merci, monsieur. Je vous ai tous les deux appelés parce qu'aujourd'hui marque pour notre meilleur produit. C'est un an sur le marché. Alors dans cette lancée, j'ai besoin d'innovation. Quelque chose de nouveau. Un produit ou un service qu'on pourrait vendre n'importe où. Je pense que c'est le meilleur moment pour tous les deux de prouver votre valeur dans cette entreprise. Vous avez un mois. Un mois pour me produire quelque chose de super. Un mois? Oui. Un mois. Et avant que je n'oublie, il y aura un très grand prix pour la personne qui m'apportera la meilleure idée. Alors, bonne chance à tous les deux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Merci, monsieur. Troy? Ah. Comment ça se passe? Ah, compliqué. Je n'arrive pas à avancer. Ma tête est complètement vide. Je sais, bébé, désolée. Crois-moi, je sais que tu dois trouver quelque chose, ok? Oui, merci, bébé. Je t'en prie. Troy? Oui, bébé. Bye, bébé. D'accord, mon cœur. Ok. Concentration. Sœurette. Ah, bonjour. Ne me dis pas que tu es en train de sortir sans m'avoir donné l'argent. Bonjour, Sophie. De quel argent est-ce que tu parles? Sœurette, les 100 000 que je t'ai demandé. 100 000? Quels 100 000? Sœurette, ne commence pas, non? Sophie, s'il te plaît, ne commence pas. Je ne me souviens pas d'avoir parlé d'argent avec toi. Donc, s'il te plaît, je suis en retard. Quand je vais rentrer, nous allons en parler, ok? Oh non!
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais des tours? J'attends quelqu'un. C'est tard, mais elle s'est fait tard. Mais Sorette, c'est les gosses. Les gens marchent jusqu'au matin. Et qui est-ce que tu attends? Juste quelqu'un. Merde. Viens t'asseoir. C'est dur que tu ne fais que faire me distraire. Allô? Tu es dehors? Ok, j'arrive. Non, 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 non. Ne me dis pas que tu as encore fait du shopping en ligne. Tu as eu une livraison hier, ou je me trompe. Et voilà, tu as une autre aujourd'hui. Pourquoi fais-tu des courses chaque jour, Sophie? Je me suis juste acheté quelque chose de petit. Quelque chose de petit? Oh mon Dieu! Est-elle accro au shopping ou quoi? Quand iras-tu à l'école? Bientôt! Il vaudrait mieux pour toi. Tu utilises ma carte n'importe comment. Sophie? S'il te plaît, qu'en crois-tu qu'il manque au monde aujourd'hui? Des vendeurs en ligne fidèles et sincères. Sophie, je suis sérieuse. Je ne blague pas. Je suis aussi sérieuse. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai commandé quelque chose en ligne et quand ça finit par arriver, la qualité est inférieure ou alors ils ne livrent rien du tout? Oh Dieu, Sophie, je ne suis pas en train de parler de tes problèmes de shopping en ligne. Est-ce que tu peux être sérieuse pour une fois? Sorette, tu ne m'as pas écoutée. Je dis ceci, imagine un monde où nous aurons des vendeurs sincères et fidèles en ligne. Imagine une application ou un site où on peut commander quelque chose et obtenir la chose exacte que tu as demandé. Genre, ce monde sera un endroit meilleur pour les accros shopping où n'importe qui peut commander ce qu'il veut et obtenir exactement ce qu'il attend. Imagine. Merci. Merci, merci, merci. Pas de quoi. Je crois bien que j'ai une idée. Alors, est-ce que l'un d'entre vous était capable de trouver une bonne idée? Non, 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 n'avons encore aucune idée, monsieur, mais non, non, nous travaillons dessus. Que veux-tu dire par nous n'avons pas? S'il te plaît, arrête de parler pour nous deux. Parle pour toi. Ça suffit. Je comprends. Toi, as-tu une nouvelle idée pour moi? Oui, monsieur. Et ce sera prêt avant le délai que vous nous avez donné. Quand ce sera bien développé, je sais ce que vous allez aimer. C'est bien. C'est très bien, j'aime ça. Monsieur Troy? Monsieur. Qu'en est-il de vous? Pas d'avancée jusqu'ici, monsieur, mais avant le délai. Avant le délai, je vous présenterai quelque chose de bon. Oui, de bon, monsieur. Je crois en vous. Vous pouvez retourner à vos bureaux. Merci, merci monsieur. Monsieur. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, assieds-toi. La dernière fois, tu as dit que tu avais quelque chose pour moi. Qu'en est-il? Oh, ça se passe bien, monsieur. Tout se met en place peu à peu. Merci, monsieur.
Un problème? Tu as besoin de quelque chose? Pas du tout, monsieur. Non. Bien. J'aime la façon dont tu t'y prends dans ce travail. Continue comme ça. Merci, monsieur. Ce sera tout pour le moment. Mais au cas où tu as besoin de quoi que ce soit ou tu as un problème, tu n'auras qu'à m'interpeller. Merci, monsieur. Bien, tu peux retourner dans ton bureau. Merci, monsieur. Salut. Il vient de me snober. Hey, hey! Est-ce que tu viens de m'ignorer? Pourquoi on ne devrait pas t'ignorer? Je te demande pardon. Alors tu peux m'ignorer, mais moi je n'ai pas ce droit. Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que je n'avais rien à te dire. Alors, je me demande bien, pourquoi est-ce que tu me parles? C'est à moi que tu parles de cette façon. Franchement, tu me parles de la sorte. Oui, je te parle de la sorte maintenant. À moins que tu aies quelque chose à me dire, mademoiselle Cassandra. Je vais te gêner. Merci. Dieu, ce gars est impoli. Il a eu le toupet de venir dans mon bureau et de m'insulter. Qui fait ça? Où est-ce que c'est écrit qu'on devrait être amis obligatoirement parce qu'on est collègues? Tu ne dis rien, tu ne m'écoutes pas. Pouvons-nous manger? J'ai vraiment faim. C'est tout ce qui t'intéresse, Sophie, la nourriture. Est-ce que tu entends ce que je dis? Il n'a rien fait de mal. Il voulait juste être ami avec toi. Je ne vois rien de mal à cela. Mais comme d'habitude, tu le soutiens toujours. Tu es toujours de son côté. Peux-tu manger, s'il te plaît? Mangeons juste. Je ne mangerai pas. Je ne vais pas manger ta nourriture. Hein? Oh oh. C'est triste que tu ne goûtes pas à cette nourriture. J'ai fait ton plat préféré et le poulet a bien mariné. Vraiment, Christ. Le poulet a bien mariné. Je ne mangerai toujours pas ta nourriture. Je ne vais pas manger. Je n'ai pas faim. Ok. Sûr que tu ne veux pas goûter à cette nourriture. Ce n'est pas comme si je voulais manger. Je veux juste regarder la nourriture et te regarder manger. Ok. Regarde bien. Est-ce que je devrais... Attends. vraiment délicieux. Salut, T. Salut, bébé. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Et l'école? L'école se passe bien. En fait, je n'ai plus cours. Je me pavane juste. Et vraiment? Il se passe quoi? C'est une longue histoire. Je voulais te dire que je serai là demain. Vraiment? Ouais. Très bien. Dans ce cas, je t'enverrai l'agent de transport. Ou alors, je passerai te prendre moi-même. Oh, merci bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Alors dis-moi, que veux-tu que je cuisine pour toi? Tu auras envie de préparer et tu vas des fois le faire très légère parce que je vais aussi te dévorer. Wow.
Alors à plus, bébé. D'accord, bébé. Bonne nuit. Je t'aime. Bonne nuit. Oh. Bienvenue, bébé. Merci, Troy. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Allons-y maintenant. Oui, allons-y. Ok. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un me regarde? Ai-je quelque chose au visage? Écoute, tu sais, tu es très belle. Et je te veux dans ma vie. Tous les jours. Tu es chaud. Tu sais que je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Et si je te demandais de m'épouser? Bien, tu n'as pas demandé. Et si je demandais? Je vais devoir terminer avec l'école d'abord. Eh bien, je te demande de m'épouser sur le champ. Je vais me mettre à genoux. Qu'en penses-tu? Bébé? Bébé? Oui, Ti. Où est-ce que tu es? Dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as? Quoi? Ti. Quoi? J'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent? Et c'est pour ça que j'ai fait cette dette? De combien as-tu besoin? 300 000. 300 000? 300 000? J'aime ta façon de le dire. Très bien. Ça fait un moment que je t'ai pas envoyé de l'argent, alors.
C'est Facebook, hein? C'est fait. Je viens te transférer 500 000. Merci. T'es contente maintenant? Oui. Tu as reçu? Oui. Viens là. Je vais te transférer 500 000 de plus. Je ne vais pas t'embrasser. Viens là. Allez, viens, je vais t'embrasser. Je t'aime. Je t'en prie, tu sais que je t'aime aussi. Je le ferai une autre fois, d'accord? Je sais, bébé. Maintenant, mange. D'accord, monsieur. Et souris. C'est le plus grand sourire. Oui? C'est moi. Sophie, depuis quand est-ce que tu frappes? J'ai frappé, tu t'es plaint. Et si je n'avais pas frappé, tu allais dire, Sophie, pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer dans ma chambre? Tu adores les ennuis. Hein? Tu veux dire que ta grand-mère adore les ennuis, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre avant de répondre à ça? Laisse-moi te dire, je n'ai pas d'argent. Oh, de toute façon, maman vient de m'envoyer mon ticket. Je vais partir pour une semaine. Une semaine? Cette maison sera triste sans toi. Je croyais que tu as toujours voulu que je rentre à l'école. C'est vrai, mais tu sais que je blaguais. Arrête de faire ta gamine. Je vais juste récupérer mes diplômes, c'est tout. Une fois qu'on va les signer, je serai de retour. Et voilà. Ok. Vu que tu vas revenir, reste là-bas pendant un mois, hein? Mais tu sais pourquoi? Au moins, mes poches pourront respirer avec l'excès de shopping. Voilà. Eh bien, le livret est presque ici. Je te verrai bientôt. Bye! Cette fille. Si? Ouais. Où est-il? Oh. J'étais en train de... Es-tu en train de sortir ou vas-tu? Bébé. Hein? Les filles ont appelé et elles voulaient qu'on sorte. Vraiment? Ouais. Mais tu ne m'as pas dit que tu sortais. Oui, bébé. Je suis vraiment désolée. Elles ont appelé quand tu étais à la cuisine pour faire le dîner. Ah. Oui, bébé. Hein? Je suis désolée. Mais je trouve que c'est un peu trop. Bébé, je pense que c'est un peu trop court et... Je sais, mais bébé, je suis sexy. Ouais, tu l'aimes, je veux que tu sois sexy pour moi. Voilà, et non pas pour tout le monde. L'afficher ne tuera personne. Ok, mais... Ok. Tu sais quoi? Je vais partir, je m'en vais, je vais t'appeler, ok? M'appeler? Non, bébé, tu n'auras pas besoin de m'appeler parce que je vais aller me changer et je viendrai avec toi. D'accord? Hey, bébé, souviens-toi, c'est une sortie entre filles. D'accord? Ouais. Juste les filles. Tu ne peux pas être là. Mais bébé, je te promets que je serai de retour avant. L'aube, mais voyons, bébé, tu resteras dehors jusqu'à l'aube. Mais voyons, c'est tard. Je veux dire, regarde l'heure. Jusqu'à l'aube. Mais c'est trop long, bébé, hein? Bébé. Hein? C'est en boîte. C'est. C'est comme ça que ça se passe quand on part en boîte, on rentre avant l'aube. D'accord. Ok. Veux-tu que je t'apporte une veste pour pas que tu attrapes froid? Ouais. Et ça ira? T'es sûre? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Fais attention, ok? Promis? Bye, bébé. Bye. J'arrive.
J'arrive. Hey. Hey, bébé. Salut. Hey. Hey. Ah, tu m'as inquiété. J'ai essayé de t'appeler, mais tu étais injoignable. Ouais. Le réseau dérangé en boîte, désolée. C'est bon, t'es à la maison maintenant. Ouais. D'accord? Ne fais plus jamais peur comme ça, d'accord? Merci, bébé. De rien. C'est bon. Toujours bon. Ton téléphone sonne, tu ne vas pas le décrocher. Règle de bienséance. Vraiment? Je suis déjà en retard. Déjà? Mais c'est ton père qui appelle. Je sais. Pourquoi tu ne décroches pas? Je vais le rappeler. Ouais. D'accord, je vais me dépêcher. Ok. Je suis en retard. Déjà? Ouais. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée, bébé. Je t'aime. Prends soin de toi. Je t'aime aussi. Bye bye. Bye. Ok. Comment ça se passe? C'est toi là-bas. Tu vois mes cahiers, n'est-ce pas? Mes dossiers, mon laptop. Reste là-bas. Ça se passe bien, Sophie. Merci. Serait, t'es vraiment sérieuse? De toute façon, je suis venue te dire que le petit déjeuner est prêt. Oh. Ok, je vais descendre dans quelques minutes. Au mieux, encore peux-tu me l'apporter? Hein? S'il te plaît. Comme tu peux le voir, je ne suis pas sûre que je peux finir dans quelques heures. S'il te plaît. Ok, je te l'apporte ici. Merci. Je t'aime. J'ai compris. Je reviens. Vilaine fille. C'est juste que je t'aime aussi. Bébé? J'essaie de vous donner. Allô? Bonsoir, papa. C'est le petit ami de Tammy. Pardon? Que fais-tu avec mon téléphone? Ok. Le numéro enregistré. Comme mon papa vient d'appeler et il n'avait pas du tout l'air d'être ton père. Qu'est-ce passe-t-il? Parle-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'était mon père. Ce n'était pas ton père. Qui était-ce? Qui était qui? Si. C'était mon père.
Si je peux expliquer. Je peux t'expliquer. Je suis désolée. S'il te plaît, ne pique pas une crise. Tu peux t'expliquer? C'est ton Aladji qui n'a pas arrêté de me déranger. Désolée. Pourquoi son numéro est-il enregistré dans ton téléphone? Comme mon papa. Et pourquoi as-tu son numéro? Parce qu'il n'a pas arrêté de me déranger et j'attends juste l'agent. Si, je suis désolée. Désolée, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Et à quoi est-ce que je pense? Exactement. Tu couches avec un homme marié? Non. Si, bébé, attends, je peux t'expliquer. Écoute, s'il te plaît, je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Si. Si. J'étais avec lui pour l'argent. Mais de l'argent, je t'en donne! Je sais. Écoute, je t'ai tout donné. Mais quelle somme d'argent voulais-tu? Je suis désolée. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Je t'ai donné ma richesse. Je t'ai tout donné. Si. Je t'ai donné mon amour, mon cœur. J'ai voulu faire de toi ma femme. J'ai vénéré la poussière de tes pieds. S'il te plaît. Comment tu... oses-tu me trahir de la sorte? Bébé, je suis désolée, s'il te plaît. De quoi es-tu désolée? De quoi? Tu m'as fait l'amour comme s'il n'y avait personne d'autre. Il n'y a personne. Tu as tout détruit, tu as absolument tout détruit. Désolée. Je ne mérite pas ça. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? S'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, si. Je vais sortir. Et à mon retour, je ne veux pas te retrouver dans cette maison. Si, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît, reviens. Regardez comment j'ai gaspillé mes larmes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais attends. Pourquoi est-ce que cet homme m'appelle maintenant? Pourquoi? Hein? Et maintenant, il a tout gâché pour moi. Il a tout foiré. Pourquoi? Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais oui, nous avançons. L'eau chaude doit continuer. Si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Bonjour, Troy. Bonjour, mademoiselle Cassandra. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Ok. Ah, tu vas sans doute me manquer. Je sais. Tu vas aussi me manquer. J'aurais aimé te déposer à l'aéroport, je suis désolée. Mais je sais que j'ai ce projet à terminer. Donc s'il te plaît, appelle-moi quand tu es à l'aéroport, ok? Ok, je comprends. Je t'appellerai dès que je suis à l'aéroport. Je t'aime. Bye, je t'aime. À bientôt. Monsieur Troy t'a-t-il dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui? Nous ne sommes pas des amis, en fait. Monsieur, il n'est pas venu au travail. Tu n'as pas remarqué? Vous êtes collègue, tu devrais le savoir. Il n'a jamais fait ça. Et son téléphone passe pas. Ça m'inquiète. J'aimerais au moins m'assurer qu'il va bien. En fait, je veux dire, j'ai bien constaté sa mine hier. Il n'avait pas l'air content, il était triste. Mais monsieur, nous n'avons aucun contact avec un membre de sa famille. Ne l'avez-vous pas?
Je n'en sais pas beaucoup sur sa famille. Et la secrétaire est allée remplir un devoir officiel. Elle sera là plus tard dans la soirée. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi en rentrant chez toi. Arrête-toi chez lui et prends des nouvelles, s'il te plaît. Moi ? Ok, monsieur. Est-ce que je peux avoir son adresse, s'il vous plaît ? Une minute. Troy ? Troy ? Troy ? Troy ? Troy ? S'il te plaît, réveille-toi, Troy ! Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai accepté de venir ici ? Ah, Troy ! Troy ! Ouais. Cassandra, qu'est-ce que tu as fait ? Que fais-tu ici, au juste ? Est-ce que je suis censée le nettoyer ? Ah, ça c'est une mauvaise idée. Troy ? Il respire. Troy ? Troy ? S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Troy ! Troy ? Ah ! Troy ! Ah ! Ah ! Mais que fais-tu ici ? Oh, tu es réveillé. Que fais-tu chez moi ? Comment es-tu arrivé ici ? Oh, mon Dieu, nous sommes en retard pour le boulot, s'il te plaît. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes ? Tu dois me rafraîchir. Ah. Ah, merci. Entrez. Salut. Salut. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Merci. Ah. Joli bureau. Tu sais, depuis que nous travaillons ensemble, nous n'avons pas vraiment eu de conversation. Ok, et... J'aimerais bien être ton ami. Tu sais, ça rendra le travail un peu plus convivial. Ne le penses-tu pas? Je ne suis pas ami avec des étrangers. Je ne suis pas un étranger. Je veux dire, nous travaillons ensemble. Allez, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu es toujours un étranger pour moi. Ah. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Je pense que la question devrait être, pourquoi est-ce que je devrais t'aimer? Oui, je veux dire, nous travaillons dans la même entreprise. Pourquoi est-ce que je devrais t'aimer? Très bien. Mademoiselle Cassandra, tu peux me dire ce qui t'arrive? Hein? Ton comportement devient vraiment irritant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je te fais au juste? Hein?
C'est Emma que tu parles de cette façon. Respire, Cassandra, respire. Mon frère, ouais. Écoute, tu sais, le Seigneur est vraiment merveilleux. Tu sais quoi? Ceci mérite d'être célébré. Oui. Cassandra, je voulais te féliciter. Tu le mérites. D'accord, merci. Je tenais aussi à m'excuser. J'aurais dû le faire avant que tu ne sortes de la salle. C'est bon, ce n'est vraiment rien. Tu as raison. J'ai appris beaucoup de choses ce matin. Et j'ai réalisé que tu n'étais pas celle que je croyais. Mm-hmm. Tu es géniale. Je te remercie. Alors, ami. Ok. Félicitations une fois de plus. J'aimerais bien t'offrir un verre et s'il te plaît, ne dis pas non. Nous aurons une conversation, tu vois, inoffensive. Je sais. Merci. Je t'en prie. Il va bien falloir qu'on y aille maintenant. Hmm? D'accord, non. Entrez. Vous m'avez appelé, monsieur. Assieds-toi. Merci, monsieur. Monsieur, je suis vraiment désolé d'avoir laissé tomber votre entreprise. Mais si vous me donnez une deuxième chance, je vous promets que je reviendrai avec une très bonne présentation. Je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie. Tu m'as déçu, Troy. Oui, monsieur, j'accepte toutes les responsabilités. Je n'ai aucune excuse. S'il vous plaît. Au moins, tu as des remords. Ok. Je vais te donner une deuxième chance. Merci, monsieur. Un mois. T'auras juste un mois pour me produire un truc bien. Je le ferai, monsieur. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Merci beaucoup, monsieur. Retourne travailler. Merci, merci, monsieur. Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Je me disais que je pouvais t'inviter pour un... pour un dîner. Ça te va? Ah. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, bien sûr. Merci. À bientôt alors. Bien sûr. Cool. Oui, André. Est-ce que je te dérange? Non, je t'en prie. Assieds-toi. Merci. Alors, je suis venue te voir et savoir comment. Est-ce que ton projet avance? Eh bien, écoute, je suis un peu déçu parce que je n'ai pas encore trouvé quelque chose de solide. Est-ce que tu penses toujours à elle? Je veux dire, ton ex. Ok. Tu dois essayer de passer à autre chose. Tu sais, toutes les femmes sont des salopes. Pas certainement toi. Encore moins que ma mère. Ok. Comme je te l'ai dit, si tu as besoin d'aide, appelle juste. Écoute, tu devrais trouver quelque chose qui te procure de la joie. Ok, et n'oublie pas, c'est une grande opportunité pour nous deux. Surtout pour toi, ne fous pas tout en l'air. Ouais, merci Cass. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle ainsi. C'est bon. Oh, je viens de me rappeler. Le directeur m'a demandé de récupérer les autres documents chez toi. Oh oui. Voilà. Tiens. Okay. Merci.
ne me déçois pas. D'accord, Monsieur Troy? Ok. Merci, Sophie. Je sais que tu m'as donné une idée. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Tu es fini? Oh, tu es presque terminé. Comment vont les parents? J'espère qu'ils vont bien. Passe-leur le bonjour, ok? Ok, tiens-moi juste informé, d'accord? Je t'aime. Philippe, dis-le juste, dis-le, ça ne va pas te tuer. Dégage de mon téléphone. Entrez. Salut. Je peux m'asseoir? Merci. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Cass. Ne m'appelle pas comme ça. Allez, Cass. Tu sais au fond de ton cœur que je ne suis pas cette personne que tu crois que je suis. Je ne veux pas parler de ça. Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance de le prouver? À quoi est-ce que ça sert? Tomber amoureuse de toi et à la fin, boum, tu disparais. Mais de quoi est-ce que tu as peur? Tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance pour te prouver que je t'aime. Voilà un mensonge, tu es en train de mentir. Dis-moi, qu'est-ce que tu te fais croire que je te mens? Parce que c'est ce que les hommes font. Écoute, Cass, je sais que nous avons commencé sur le mauvais pied. Mais j'ai fini par découvrir que tu es une bonne femme avec un bon cœur. Et tu as fait de moi une meilleure personne. Tu as fait de moi le genre d'homme que je devais être. Laisse-moi te prouver que je t'aime. Tu promets que tu ne me quitteras jamais. Je te promets que je te quitterai jamais. Je peux venir maintenant. Ah. Ok, à plus. Prends soin de toi, ok? Tu me manques déjà. Hey, Cass! J'ai eu une idée. Elle est géniale. J'ai hâte de la partager avec toi. Dis-moi, et si on regardait un film demain en buvant du vin? Après le boulot, après tout, c'est le week-end. Un film? Allez, je suis inoffensif. Je veux juste passer du bon temps. Passe du temps avec toi. Ok, alors, demain après le boulot. Après le travail? Bien sûr. C'est parfait. Eh bien, à plus alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah! Enfin! Oh mon Dieu! Oui, entrez. Désolé, monsieur. C'est toi. Félicitations. Tu as été promu. Quoi? Waouh! Je veux dire, je ne comprends pas, monsieur. Tu l'as mérité. Sincèrement. Ton application
fonctionne à merveille. Oh mon Dieu! Tout le monde l'adore. Le test est à la dernière étape. Et nos sponsors, ils l'adorent. Mais tu sais, avec le temps, on fera bien mieux que ça. Félicitations une fois de plus. Merci beaucoup, monsieur, merci. Je n'arrive pas à le croire. Merci beaucoup, monsieur, merci. Continue juste comme ça. Dès lundi, ton nouveau bureau sera prêt. Merci, monsieur, tu merci. Peux retourner travailler. Ah, d'accord, d'accord, monsieur. Merci, merci, monsieur, merci. Merci, monsieur. Désolé. Et tu vas bien? Tu as l'air excité. Oui, je le suis. Okay. Je viens d'être promu. Wow! Nous sommes pardon, au bureau. Pardon. Je suis désolé. Je suis content pour toi. Merci. Oui. C'est bon. Alors nous allons fêter doublement. Je le sais. Nous le ferons. Super. J'ai hâte de te voir ce soir. Ah, ok. Mm-hmm. Une fois de plus, merci d'être venu. Arrête de me remercier, c'est bon. Hey, je ne sais pas avec quoi ils ont scellé ça. Je me le demande. Voilà, c'est réussi. J'ai réussi à l'ouvrir. C'est bon. Heureusement. Ouais, si je le casse, je le remplace. Ok. Voilà. Ouais. Et pour moi également. Tiens-le pour moi. Je te remercie. Pas de quoi. Ok. Bien. J'aime me sentir très à l'aise, tu sais. Alors, je vais retirer ces chaussures. Ok. Oui. Tu peux te joindre à moi si tu veux. Oh. Ok. Merci beaucoup. Tu peux les prendre? Oui, bien sûr. Nous y voilà. Tu es à l'aise? Tu sais, en fait, tu es une personne merveilleuse. Je t'ai peut-être mal jugé. Tu sais, depuis le début. Mais tu es intelligente, tu es belle. Maintenant, trinquons plus de réussite pour toi. Plus de réussite pour nous. À nous. Tu aimes? Alors, parle-moi de ton idée. Mon idée? Une minute. Je dirais 15 secondes. Ok. Ok. C'était rapide. C'était tout prêt. Eh bien, nous y sommes. Voilà. Et combien de temps est-ce que ça t'a pris pour obtenir ceci? Environ 2 semaines. Apparemment, tu n'aimes pas. Aimer? C'est parfait, je veux dire. Vraiment? Je suis impressionnée. Ok. Je ne savais pas que tu étais aussi brillant et intelligent. Fais attention, je vois que tu cherches des ennuis.
jamais, honnêtement. C'est parfait. Merci, j'apprécie vraiment. Monsieur Dabo va adorer ça. Alors dis-moi, quand vas-tu le lui montrer? Lundi. Parfait, Troy, c'est parfait. Oh, que c'est génial. Merci. Je suis contente de voir, je sais, ton côté actif et intelligent. Merci. J'apprécie, ouais. Roy? Ouais? Qu'en est-il de ta famille? Mes parents sont à Abuja. Mon père fait dans l'immobilier. Et ça, c'est en fait l'une de ses propriétés. Je vois. Nous sommes pareils. Dans l'immobilier? Roy? Ouais? Je ne suis pas ivre. C'est évident, tu as à peine bu la moitié de ton verre. J'ai envie de t'embrasser. Pardon? Je veux t'embrasser et que tu m'embrasses également. I know we got up to. It gets to me. It just gets to me. Most times I wanna take a step back. But something about you draws me near. It's love and I know that I cannot deny. It gets to me. It just gets to me. I think I'm tripping. I'm falling low. I think I'm tripping. I'm falling. I'm falling low. I think I'm tripping. I'm falling low. Bonjour. Désolée d'avoir réveillé. C'est pas grave. Bonjour. Comment était ta nuit? Ma nuit était incroyable. Et la tienne? Parfaite. Tu sais, je suis un peu jaloux. Jaloux de? De la personne qui a profité de ce que j'ai profité la nuit dernière. Troy? Ouais. Si tu essayes de découvrir si je suis liée ou pas à quelqu'un, je ne pense pas que j'aurais fait pour toi ce que j'ai fait pour toi la nuit dernière, n'est-ce pas? En d'autres termes, je suis célibataire. Genre, célibataire. Oui, je suis célibataire. En passant, j'ai adoré ce qu'on a fait la nuit dernière. Ok. Je peux t'embrasser? Après ce qui s'est passé cette nuit, tu n'as pas besoin d'une permission. Eh bien, je ne veux pas me précipiter. Et moi non plus. Tu sais qu'à cette heure, nous devons chercher quelque chose à manger, je veux dire. On a passé toute la journée ici. Je sais. De toute façon, dis-moi, que veux-tu manger? Je suis un chef, tu sais. Ok, d'accord, monsieur le chef. Je veux du risotto au poulet avec des toasts. Du risotto, du poulet et des toasts. Je vais te surprendre. Je vais te cuisiner ce que tu as demandé. Tu sais, ce t-shirt paraît plus joli sur toi que sur moi. Si tu le dis, te va vraiment bien. Je dois avouer que tu es un bon chef. C'est vraiment délicieux. Je te l'ai dit. Merci quand même. De toute façon, après ce repas, je vais partir. Partir? Mais pourquoi? À ce que je sache, je ne vis pas dans cette maison.
Non, ce n'est pas faux. Mais j'espérais que tu passerais le week-end. Le week-end? Je n'ai pas de vêtements ici. Je t'achèterai toute une boutique si c'est nécessaire. Allez, reste. Écoute, j'aime ta compagnie. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, s'il te plaît, reste. Ok. Avec moi. C'est bon. Mais je te préviens, je coûte très cher. Et je suis prêt à relever le défi. Je devais t'embrasser, je sais. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as acheté. Et désolée de t'avoir perdu du temps. Je devrais mettre ça. C'est pas grave. C'est bon. Que veux-tu manger au dîner? Je vais cuisiner. Tu vas cuisiner? Une seconde. Est-ce que tout va bien? Elle vient de m'envoyer un message. Qui, ton ex? Oui, je sais pas ce qu'elle veut, mais je m'en fiche. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien. Vraiment? Ouais. Tu sais, je vais te dire, elle n'a plus du tout de contrôle sur mes émotions. Je suis au bon endroit. Je suis heureux. Passons, on parlait de dîner. Écoute, tu ne feras rien. Tu iras à l'étage, prendre un bain et revenir ici. Je vais me charger de ne cuisiner quelque chose à manger. Alors tu penses que je ne peux pas cuisiner? Je n'ai jamais dit ça. Je ne veux pas te stresser. Alors va à l'étage, détends-toi pendant que je m'occupe. Cette tenue te va à merveille. Retourne-toi. Je serai dans la cuisine. Je suis ravissante. Hé! Ti! Qu'est-ce que tu fous ici? Ti, je suis... Hé! Hey! Ne m'appelle pas comme ça! Surtout ferme ta gueule, tu n'as rien à me dire. Ok? Écoute, nous avons rompu il y a de cela un mois. Alors je me demande ce que tu fous ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, écoute, tout va bien, d'accord? Assieds-toi, je m'occupe de tout. Ti, qui est-elle et tu qui fait... Tu n'as aucun droit de me demander qui elle est. Maintenant, dégage! Pourquoi essayes-tu de voler mon homme? Je te demande pardon. Bébé, s'il te plaît, ne prête pas attention à ce qu'elle raconte. Et toi, dégage d'ici ce champ, d'accord? Si. Essayes-tu de la choisir à moi? La choisir plutôt que toi? Tu es sérieuse? Tu as bien fait le choix d'un homme marié, beaucoup plus âgé que moi. Et je suis désolée. Tu es désolée, mais tu n'es pas assez désolée, ok? Écoute, j'ai trouvé la paix avec elle. Je suis heureux. Et en plus, elle m'aime. Je suis heureux avec elle. Tu peux pas gâcher cela. Maintenant, dégage, Titi. Si. Tu dois t'annuler. Non, 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 non. Si. Non, 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 non. Je suis désolé qu'elle t'ait parlé de cette façon. C'est quoi tout ça? Je suis navré qu'elle t'ait parlé de cette façon, d'accord? Non, non. Elle est mon ex. Je parle de la personne avec qui tu as trouvé la paix. De quoi est-ce qu'il s'agit? S'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir? Ok. Écoute, j'aime être avec toi. J'ai développé des sentiments pour toi. Je suis fou de toi. Je comprends. Alors, tu m'utilises pour oublier ton ex parce que je suis toute disponible.
Super, Troy. Non. Bébé, je ne pourrais jamais faire cela, je pourrais jamais t'utiliser. Ou alors, me servir d'une personne pour oublier quelqu'un d'autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis tombé amoureux de toi. Et cela n'a rien à voir avec le fait que nous couchons ensemble. Vois-tu, je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour que je t'ai rencontré. La seconde où j'ai posé mes yeux sur toi. Et je désire vraiment te connaître davantage. C'est faux. C'est vraiment faux. Je ne peux pas supporter tout ça. Troy, s'il te plaît, j'ai besoin de mon espace. C'est bon, genre. Tu veux m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que tu es même amoureux de moi? Troy, vraiment? C'est totalement absurde. Je m'en vais. S'il te plaît, ce n'est pas ça. Je... Wow. Ça, c'est le Troy que la société a embauché. C'est très bien, ça. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, monsieur. Je suis ravi que vous appréciez l'idée. Je l'adore. Je suis vraiment fan de ce travail. Merci. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui a changé? J'ai simplement trouvé une nouvelle source de motivation, monsieur. Wow, c'est une très bonne source. C'est très bien ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais en parler au conseil d'administration. Je vais caler une date pour réaliser ce projet, j'ai trop hâte. Vraiment hâte et j'aime beaucoup. Ça serait super, monsieur, merci. Merci beaucoup, c'est très bien. Continue. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup. Tu peux retourner dans ton bureau, je t'appellerai. Bien, monsieur. Merci à toi, c'est super ça. Merci, monsieur. Ouais, ça, c'est le Troy que je connais. Merci. Ouais, c'est un peu. Est-ce que je vous dérange? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais dire pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais. Je serais venue te chercher. Je voulais juste te surprendre. Mais on dirait que c'est moi qui suis surprise maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Sophie. On m'a assez parlé de toi. J'aurais aimé dire la même chose de vous. Troy, ça c'est ma petite sœur chérie. Sophie, voici Troy. Ravi de faire vos connaissances, monsieur Troy. Ravi de te rencontrer également. Je vais devoir partir. Prends soin de toi, je t'appelle, ok? Ça marche? Ok. Sophie, ça fait un plaisir. À plus. D'accord. Quoi? Je connais cette mine. Nous venons de commencer à sortir ensemble. On ne dirait pas que vous commencez à sortir ensemble. De toute façon, il a l'air d'être un gentil garçon. Je suis heureuse pour toi. Oui, il est très gentil. Je vais aller dans ma chambre me reposer. Je suis fatiguée. Serette, y a-t-il de quoi manger? Oh! Oui, j'ai fait du risotto. Je vais le réchauffer au micro-ondes pour toi. C'est super. Papa et maman t'ont envoyé leurs salutations. Ils ont demandé que tu les appelles quand j'arrive ici. Ok, je le ferai. Vas-y juste. Ok. Oh! D'accord, c'est pour le projet final. D'accord, monsieur. Tu le ramènes, d'accord? D'accord, monsieur. Salut, bébé. Salut. C'est quoi cette mine? T'en fais pas. Écoute, je ne savais pas qu'il allait rentrer. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas Sophie. En fait, il n'y a absolument rien de mal à ce qu'elle rentre à la maison. Ok, alors... Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi? Tu ne m'as pas présenté comme ton homme. Tu m'as présenté juste comme Troy. Oh mon Dieu, bébé.
Alors, ce n'est que ça le problème. Je suis un homme, pas vrai? Bien sûr que tu l'es. Alors, et pourquoi ne m'as-tu pas présenté comme tel? Bébé, en cet instant, je ne réfléchissais même pas. Ok, bien. Je suis désolée. Je vais à nouveau faire les présentations. Ok? Bébé, je suis désolée. Tu sais, j'adore quand tu m'appelles bébé. Tu me donnes envie de vider mon compte en banque pour toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, Troy. Vraiment. Ok. Allez, vas-y maintenant. Okay, je dois aller travailler. Dis-moi, tu veux quelque chose pour le déjeuner? Des frites et du poulet croustillant. Quoi? Considère que c'est fait. Je suis à ton service. Merci. Je t'en prie. Putain, je l'aime. Serait, donc tu veux dire que c'est le même gars dont tu te plaignais chez moi tout le temps? Eh bien, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour est arrivé, ma sœur. L'amour. Et c'est arrivé tellement vite. Je ne peux même pas l'expliquer moi-même. C'est vraiment surprenant. Bon, l'amour est arrivé. Je suis vraiment contente pour toi. Tu as l'air vraiment heureuse. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Et je me soucie beaucoup de lui. Es-tu sûre que c'est pas trop tôt? Que tu ne précipites pas les choses? Tu vas vraiment bien? Je vais bien. Je ne pense pas que je précipite les choses. Écoute, il vénère jusqu'au sol où je marche. Mon Dieu, quand? Vilaine fille. Oh! Serait, j'aime te voir heureuse et j'espère que vous finirez ensemble pour toujours. Le futur nous le dira. Le futur nous le dira. De toute façon, assez parlé de moi. Alors, comment tu vas? Comment vont tes études? Tu as terminé? Oui, fini et fini pour de bon. Maintenant, je vais me reposer un tout petit peu. Je vais dire plus de shopping. Quand est-ce que ton application sera opérationnelle? Tu veux déjà changer de sujet, n'est-ce pas? Dans un mois. Mais c'est dans la phase finale. Waouh, je suis tellement fière de toi. Tu t'en sors vraiment bien. Vraiment? Mais je sais que tu ferais mieux. Oh, oui, après le shopping. Vilaine fille. Oui, entrez. Troy. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, assieds-toi. Merci. Oh, désolé. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci, monsieur. Tu sais quoi? Ta proposition a été approuvée. Waouh! Oui. Je suis content d'entendre ça, monsieur. Tout le monde l'adore. Tout le monde est conquis. Merci de m'avoir donné une deuxième chance. Je vous suis reconnaissant. Tout le monde a aimé. C'est nouveau, unique et remarquable. Cassandra et toi êtes les meilleurs de cette compagnie. Ah, merci, monsieur. Elle sera sûrement fière d'entendre ça. Oui, je suis content et je le pense aussi. Je le pense et je suis très content que tu te sois relevé. Merci, merci, monsieur, merci. Je savais que tu me rendrais fier. J'en ai Je vous remercie. Retourne travailler. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Je suis vraiment fier de toi. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous remercie. Ouais. Merci. Serait, je suis vraiment contente pour toi et Croy. Merci beaucoup. Ça me touche. Et toi? Merci. Merci d'avoir ressorti la meilleure version de moi. Merci d'avoir ressorti la meilleure version de moi. Merci de m'aimer avec tous mes défauts.
Merci d'être dans ma vie. Et je t'aime de tout mon cœur. Merci de supporter mes excès, mes caprices. Merci de m'aimer. Tu me complètes. La vie sera nue sans excès, c'est bon. Sorel, je peux très bien me souvenir. Tu détestais littéralement cet homme. Vraiment? Fille, je ne le détestais pas. Troy. La première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, je t'ai aimé. Mais parce que j'avais peur et pour pouvoir cacher mes sentiments, j'ai dû me comporter comme une rebelle. Waouh. Ainsi donc, il y a une petite ficelle entre la haine et l'amour. Es-tu prête à te marier maintenant? Ça dépend de la personne qui le demande. Et si c'était un mignon, beau gosse appelé Troy, que diras-tu? S'il me demande de l'épouser, je pourrais dire oui. Vraiment? Alors voilà, je te demande, veux-tu m'épouser? Oui. Oui? Super! J'ai un mariage à organiser! Nous allons faire beaucoup de shopping! Un gros shopping. Oh, oui! Ouais. Et ceci est à toi. Merci. Ceci mérite d'être célébré. Ok. Alors chérie, tiens ceci. Fais juste attention. Et toi, ceci. Ok. Heureusement que ce n'est pas du champagne. Ça ne va pas exploser. J'ignore si ça se tient de cette façon, mais bon, tu sais, je vais le faire quand même. Fais juste attention. Bien. Tu devrais lui donner ceci. Elle pourra nous tomber dessus. Je le sais. C'était allez, juste tiens. Une suggestion. Merci. Merci. Un peu plus pour moi. Allez, tiens, s'il te plaît. Bien. Ok. Je vais porter un toast. Ah, la vie. Ok. L'amour. Le succès. Plus d'argent. Et plus de réussite. Mais bien plus important, à l'amour. À l'amour. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I know we got up to a wrong start, and I can't stand your very sight. But there is something about your stare, it gets to me, it just gets to me. Most times I wanna take a step back, but something about you draws me near.
It's love and I know that I cannot deny. It gets to me, it just gets to me. I think I'm dreaming.